Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour apprendre un nouveau point de crochet qui s'appelle le point étoile. Pour le point étoile, il faut que vous maîtrisiez la maille chaînette ou maille en l'air, la maille serrée et la demi-bride. On va commencer par faire une chaînette. Pour faire le point étoile, vous devez du coup faire un nombre de mailles qui est divisible par 2, auquel on rajoute à la fin 2 mailles en plus. Ces 2 mailles permettent de former les étoiles. Alors moi, je vais vous montrer avec 6 étoiles. Pour faire 6 étoiles, j'ai besoin de 12 mailles, puisqu'il me faut 2 mailles pour chaque étoile. Et il faut encore que je rajoute à la fin 2 mailles pour être sûr que sur le rang suivant, je pourrai bien former mes étoiles. Donc on est parti pour 14 mailles. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 10, 11, 12, 13, 14. Le point étoile se fait sur 2 rangs. Les rangs impairs qui vont permettre de faire des demi-étoiles, puis les rangs pairs qui vont permettre de fermer les étoiles. Pour les rangs impairs, on commence toujours avec 3 mailles en l'air. Donc une, deux, trois. On va former la première étoile en faisant 5 mailles serrées que l'on va fermer ensemble. C'est-à-dire qu'on va faire 5 mailles serrées, mais qu'on ne fermera pas tout de suite. Donc, je vous montre, on pique, on fait notre jeté. Mais on s'arrête là. On ne va pas faire notre jeté pour fermer la maille serrée. On laisse. On passe à la maille suivante. On fait notre jeté. On passe. On fait ça encore 3 fois. On se retrouve avec 6 boucles sur notre crochet et là on va venir fermer en faisant un jeté et en passant notre crochet dans les 6 boucles. Et voilà, vous avez fermé 5 mailles serrées ensemble. Pour les étoiles suivantes, on va venir faire une maille en l'air. Puis on fera encore 5 mailles serrées fermées ensemble. La première maille serrée, elle va être ici, dans le cœur de la maille en l'air. Une. Ensuite, la deuxième, elle va être là. En dessous, la maille en l'air. Pas ici, là. Ensuite, dans le dernier brin de l'étoile, c'est la troisième, puis deux dans la chaînette de base. On a bien nos 6 boucles sur le crochet, donc on peut faire notre jeté et passer dans nos 6 boucles. Voilà, notre étoile. Vous là, vous avez donc fini votre demi-étoile. Et en fait, on continue encore avec nos 5 mailles serrées fermées ensemble. Donc, une. Ensuite,
la dernière branche de notre étoile, 3, et puis dans notre chaînette de base, 4 et 5. Vous avez vos 6 boucles. Vous pouvez fermer. Voilà, donc là, vous voyez, on a déjà 3 étoiles. 1, 2, 3. Donc, vous refaites pareil. Il vous reste 3 étoiles à faire. Et on se retrouve lorsqu'il vous restera une maille sur la chaînette. J'ai terminé mes 6 demi-étoiles. Vous voyez, il y a 6 cœurs, on va dire. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il me reste une maille sur mon rang dans laquelle je vais venir faire une demi-bride. Le premier rang du point étoile est terminé. Maintenant, on va faire un rang pair, le deuxième rang. Et celui-ci, on va le débuter par 2 mailles en l'air. Ce sera toujours le cas pour les rangs pairs. Le deuxième rang est un rang qui est en fait beaucoup plus simple que le premier rang. Et pour venir fermer nos étoiles, en fait. D'abord, je vais faire une demi-bride que je vais venir piquer là, dans le trou ici. Voilà. Je fais ma demi-bride. Et pour les étoiles suivantes, je vais continuer en fait à piquer dans le cœur de mes étoiles. Mais dedans, je ferai 2 demi-brides. Donc, regardez, là j'ai piqué là pour faire la demi-bride. Là maintenant, je vais piquer dans le cœur de cette étoile-là. Je vais venir faire 2 demi-brides. 1, 2. Si vous avez un doute sur la manière dont on fait les demi-brides, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite dédiée à ce sujet. Et donc là, en fait, j'ai une étoile, là, mon étoile, elle est fermée. Et je dois faire ça jusqu'à la fin du rang. Dans chaque cœur des étoiles. On recommence. Là, j'ai terminé mon deuxième rang et du coup, on peut voir mes étoiles qui apparaissent. Et là, moi, je vais m'arrêter ici. Mais si vous, vous souhaitez continuer ce point et à faire en fait un projet avec ce point-là, eh bien, vous allez toujours alterner ce rang impair et ce rang pair. Et vous allez faire vos 5 mailles serrées fermées ensemble tout le long du rang pour avoir vos demi-étoiles. Puis pour faire le rang pair, faire 2 mailles en l'air, des demi-brides dans chaque cœur des étoiles. Et ainsi, vous aurez des étoiles complètes.